Yo YouTube, bon les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, on s'attaque à la prise de masse propre là aujourd'hui. Donc je vais analyser mon physique sur les deux phases de prise de masse que j'ai eu cette année. Donc une prise de masse de merde et une bonne prise de masse. Et à la fin, du coup je vais tirer une conclusion et vous apporter un maximum de réponses pour réussir sa prise de masse au mieux. Donc là on est en plein pré-training, commencez à le connaître, hein. Crème de riz, iso plus bagel plus confiture. Je mange ça, on va aller s'entraîner. Je vais faire les bras aujourd'hui, donc je vais mettre un petit peu des vidéos de mon training. Et ensuite, on revient à la maison, on parle de la prise de muscle propre. Niggas be broke and be starving, but still talking shit like they violent. They say that they honest, how money these niggas gon' say that they got it. Get out with the kid, it's success, and these niggas gon' blame it on talent. They don't wanna see you win, they don't wanna see the race. You don't wanna see a bitch caught up in the stars like she out of space. Mention that they kind of red dimension, and I'm running out of space. Tell your homie, keep on coming out his mouth, sending something around his way. Niggas barely getting lawyer money, better get some sick soy money. Running around like you Superman, don't be selfish, get your mom insurance money. Woo. Cause I'm the one to put it on your money, I'm the one to make it happen to you niggas with your fucking random dog money. Hopping a raven, I bought it, it's Liddy again. Fly out a bit from the tropic and Liddy again. All of my partners is poppin', you know that we Liddy again. All of the fours on college, you know that we Liddy again. They don't wanna see the squad, they don't wanna see the rain, they don't wanna see a bitch up in the stars like she going out of space. Liddy again, I got it, we Liddy again. Liddy again, I got it, we did it, we Liddy again. See your money out of safe, went and bought a Ray, brought it on college. Niggas talking like they want it when we in the city, they don't want problems. Niggas say they gon' rob us, but nigga we coming for welfare. I shoot a mullet when I pull it, how you catch a bullet like an NFL player. Should've known it was Liddy when bitches don't lie on my dick. Lie on they pussy like I hit, can't even be a side bitch. I'm in 9s, 10s, and you ain't even looking like you a 5. Bro, bitches tryna do it for Twitter when they used to do it for viral. 100 man of the hour, 100 nigga with the airtime. Rolls Royce Ray, put your bitch up in the stars like she in the airline. Niggas talk about my hairline, I laugh about it, I be feeling them. See, we be both making M's, they be making memes, I be making millions. I just counted up a Quinn Miller, a QM, that's a $quarter million. They don't wanna see Jay drop 6 fly, probably when he go to Philly. Funny money, I know it's silly, but your whole feel me when I pull up and I got a ball for her. And I promise she gon' know it's Liddy, motherfucker. Yeah. Hopping a raven, I bought it, it's Liddy again. Fly out a bit from the tropic and Liddy again. All of my partners is poppin', you know that we Liddy again. All of the fours on college, you know that we Liddy again. They don't wanna see the squad, they don't wanna see the rain, they don't wanna see a bitch up in the stars like she going out of space. Liddy again, I got it, we Liddy again. Liddy again, I got it, we did it, we Liddy again. All of my niggas is way up, these niggas is haters, I know that they haters. I score your bitch like a layup, I make a meal like a layup. I pop a bill just to stay up, I sit the lean just to slide up. I'm with my team and we going up. All of these foreigners, they nudge us. Whip it like the coca when we mix the soda up. Perfect time and then we blowing up. Fuck it, I'ma light the rollie up. Shorty fucking for Chanel, I ain't tripping, that's a coconut. Put the ride to the motor bus, set the paper from the sofa up. Lay on that paper, I am not slacking, I stay on that paper. I feel like it's a restraining order on that money, cause y'all stay away from that paper. I know some niggas that used to be ballin', but now they all feeling the way about this paper. I be spending hundred after hundred, they thought I was making this paper. Fucking me good, I be raping this paper. Shit, I might as well get married to money. I married niggas to marry the money. She rich as Mariah, I carry the money. And fuck a deposit, I bury the money. I bury the money and hang out my pocket, embarrassing money. I act like I ain't used to having this money. Oh! Hopping a raven, I bought it, it's Liddy again. Fly out a bit from the tropic and Liddy again. All of my partners is poppin', you know that we Liddy again. All of the fours on college, you know that we Liddy again. They don't wanna see the squad, they don't wanna see the rain, they don't wanna see a bitch up in the stars like she going out of space. Liddy again, I got it, we Liddy again. Liddy again, I got it, we did it, we Liddy again. Bon les gars, ça y est, training terminé. On va pouvoir prendre le temps de décortiquer et analyser ce physique et la différence du coup entre les deux prises de masse et vous apporter les erreurs à ne pas faire et ce qu'il faut faire pour votre prise de masse. Donc on est parti tout de suite. Là, la première phase intéressante à prendre en compte, c'est vous voyez le pouvoir de prendre des photos, savoir où on en est, l'évolution. Sans ça, en gros, j'aurais pas pu faire le feedback de là. Je ne me serais probablement pas rappelé de comment j'étais à cette période et voir la progression qu'on a eu là en 6 mois. Tout simplement, les deux phases ont eu pour même objectif prendre du muscle et non prise de merde. Donc le but c'était vraiment ajouter du tissu musculaire sur ma structure. L'année dernière du coup on était en compétition et clairement je manquais cruellement de masse musculaire. Donc pour les deux photos on est sur le même poids et 6 mois se séparent ces deux photos. Donc vous voyez hein, tout simplement comment un poids veut tout et rien dire. C'est pareil pour tout le monde. On va directement passer sur l'analyse du physique. Bon, ok, là, même si la lumière est différente, on voit grandement les différences. À gauche, clairement, je suis une bonbonne d'eau, une bonbonne de gras. Là, actuellement, quand je me regarde, je me dégoûte. C'est pas le sujet. On le voit clairement entre les deux, la différence de qualité musculaire. À gauche, ça fait en gros des placards, des blocs sans détail à chaque muscle. Un peu un physique de personnes qui s'entraînent beaucoup, lourd, mais qui ne font pas trop attention à sa diète. Et au final, du coup, c'est pas nous ce qu'on veut. Le but est de garder un maximum de qualité tout en prenant du poids. Et ça, vous le paierez pas sans prise de photos hebdomadaire ni mensuel. À droite, déjà d'une, on est beaucoup plus harmonieux entre déjà le haut du corps et le bas du corps. Bien réussi à rattraper cette partie-là. À gauche, clairement, j'ai l'impression d'avoir des grosses épaules et des mini quadriceps. Bon, la position est différente aussi. Au niveau de la taille c'est amincie. Et sur toutes les autres parties musculaires, donc quadri, abdos, épaules, bras, pecs et autres, même les cheveux, il n'y a pas photo que tout est plus détaillé, plus rond et on rend visuellement beaucoup mieux. Alors, ce qui m'a emmené là, les différences entre les deux, diète et entraînement. On va commencer par l'entraînement. L'entraînement, on était pendant 6 mois sur un PPL bas volume. Et la deuxième phase, donc celle que je suis en ce moment, c'est un PPL remanié avec des rappels et où le plus gros changement est sur le volume, où il a été augmenté. Alors peut-être que ça joue du coup sur la dépense calorique de la journée qui fait que je brûle plus et au final, sur le long terme, ça joue. Et ce qui est sûr, c'est la diète. Et c'est clairement là le sujet. Je mange plus que sur la phase de PDM d'avant. Mais, je suis beaucoup plus rigoureux. Et je n'ai fait aucun cheat depuis Nouvel An. Et depuis le Nouvel An, c'était octobre. En revanche, sur la première phase, je pouvais en faire 2-3 par semaine, voire des fois. Je comptais même plus. La deuxième chose qui a prêché selon moi, c'est mon focus. Le moral. J'étais pas dédié et prêt à 100% pour mettre les actions en place envers mon objectif. Avec les repas extérieurs, le fait d'être un peu moins bien dans ma vie, etc. Et plus je le faisais, du coup, plus je faisais tous ces repas extérieurs, plus je me posais des questions, etc., plus je m'en éloignais. Et plus je m'en éloignais, c'était plus dur à s'en remettre. Et moi, je suis une personne, en gros, j'ai du mal à être dans la demi-mesure. Donc, si je fais quelque chose, faut que je le fasse à 100%. Et si je fais pas ce que je me suis dit, donc ce que je suis en accord avec moi-même, clairement, là, il y a une dissonance. Et je perds énormément, du coup, de confiance en moi, d'estime de moi. Et donc, je pense que ça a joué énormément. Après, j'ai envie de dire, à gauche, je pense qu'on a sauvé les meubles. Je pense qu'il m'a sauvé, c'est de garder une bonne intensité à l'entraînement et le cardio à jeun le matin. En fait, de garder tout ce rythme-là, même si, en gros, je n'étais plus très à fond, j'ai toujours gardé cette routine et cette intensité. Sinon, j'aurais été un gros sac. Donc voilà, c'est important aussi de dire ce qui s'est passé pendant les 6 mois parce qu'on est du coup, on n'est pas resté haut en calories, on n'est pas resté haut en macronutriments parce que sinon je ne serais pas comme ça du tout à ce moment même. Donc à gauche on était à 103 kg, là à droite on est à 101,8. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a mis une petite phase de détox, on a vachement baisser les calories, surtout baisser les glucides. On essayait de garder du coup la même intensité à l'entraînement, garder le cardio à jeun, on n'a pas bougé. C'est surtout la diète qui a bougé et la supplémentation. Donc voilà pourquoi je dis la phase de détox. Pendant ce temps-là, le but était de gagner sur la condition physique, essayer de nettoyer un petit peu le corps. On a fait ça juillet jusqu'à novembre et après novembre, on est reparti en prise de muscles et du coup là, beaucoup plus proprement. Donc voilà les gars, le but de cette analyse là, c'est de vous exposer du coup un cas pratique, c'est de vous exposer les faits, que vous en tirez des conclusions et que vous fassiez en fonction. Et que vous ne commettez pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre. Bon, on est là pour la conclusion. Je vais du coup vous apporter les points sur lesquels il faut se focaliser quand on est sur une prise de masse, prise de muscle. Je préfère ce terme-là, parce que du coup, prise de masse, ça peut prêter à confusion. Ajouter du tissu musculaire, etc. Donc pour moi, déjà, le premier point, comme ce qui s'est passé avec moi, du coup, dans mon processus, c'est de partir sur une base saine. Donc là, comme je vous ai dit, avec les 6 mois qui se sont passés, on a refait une détox, donc on est redescendu en poids, on est redescendu en body fat, donc je suis redescendu à 96 kg pour ensuite repartir. Le but était de gagner en condition physique et de là repartir. Quand on veut partir sur une prise de muscle, c'est de partir avec une bonne conditions physiques. Je vous prends un exemple, c'est une personne qui est venue me voir en coaching. En fait, elle voulait prendre de la masse. Clairement, sans être méchant, je lui ai dit clairement là, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu es déjà visuellement à 30, allez, 25-30% de body fat, ça ne sert strictement à rien. Déjà d'une, tu vas rien voir. Tu vas pas voir ta progression. Le fait de beaucoup manger, tu vas prendre que du fat. Un point de vue de coach, point de vue extérieur. Je préfère passer sur une phase de sèche, une phase de maintien, de recomposition corporelle pour ensuite repartir peut-être là sur une prise de muscle. Mais avant tout, partir avec un bon poids de forme. Deuxième point là, c'est s'entraîner dur. Garder, avoir une putain d'intensité en train. Souvent, en prise de muscle, les gens se disent « Ouais, je vais pas trop dépenser de calories, donc je vais pas aller trop fort à l'entraînement, etc. etc. » À l'inverse, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut tout donner. C'est à ce moment-là. Enfin, il n'y a jamais de moment où il ne faut pas trop se donner, sauf cas exceptionnel, fin de préparation, semaine pendant la peak week, là, ok. Mais peut-être pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué car le système digestif est toujours mis à contribution. Donc on s'entraîne, peut-être des fois, on a encore un peu le ventre plein, on a un peu plus du mal à se bouger, c'est un petit peu plus dur. Puis d'accord. À l'inverse, tout est optimal pour prendre du muscle, que ça soit au niveau nutritif, au niveau de la micronutrition, au niveau de l'énergie, au niveau du pump, au niveau de tout ça, tout est à contribution pour s'entraîner dur et apporter un maximum de gains. Troisième point, pour moi, une PDM doit être tout autant cadrée qu'une sèche. Que ça soit sur un maximum de choses, sur l'entraînement, sur la diète, sur le repos, sur la récupération, sur la supplémentation, sur les produits, sur tout un tas de choses. Tout doit être traqué au mieux pour avoir une certaine base et pouvoir jouer sur cela. Traquer également les photos, du coup le poids. Bon, le poids c'est souvent traqué. Les photos pour justement ajuster et varier la diète en fonction. Traquer à l'entraînement pour voir si on progresse, que ce soit le repos, la récupération, pour savoir si peut-être dans un jour on est un petit peu moins bien, etc. Si ça vient de là ou si c'est parce qu'il y a au niveau de la diète, il y a quelque chose qui prêche. Traquer sa digestion, traquer son mood, traquer plein de choses qui font que il doit y avoir un feeling, il doit y avoir quelque chose pour que tout soit justement optimal. Vu que ce n'est pas fixe, un plan d'entraînement, une diète, les produits, la supplémentation, rien n'est fixé dans le marbre. Suite à tout le traquage, de là, vous pouvez changer si ça ne va pas et ou ne pas changer justement si tout va bien. Car quand tout va bien, on ne change pas, on continue, on fait confiance au processus. Quatrième point pour moi, garder du cardio. Pour tout simplement, déjà que ça soit le système cardiovasculaire. Il y a un moment donné, j'étais contre le cardio. Maintenant, je pense que, déjà de mon expérience personnelle, de l'expérience que j'ai eue aussi, des clients, garder du cardio journalier. Alors qu'il soit dans toutes ses formes, que ça soit un cardio modéré, que ça soit un intervalle training, en post-séance, à jeun, que ça soit sur des pas journaliers. Déjà, premier bénéfice, c'est garder un système cardiovasculaire au top. Simplement, le cœur, c'est un muscle aussi. Il faut le faire travailler. On le travaille en séance, mais différemment. Donc, c'est de le faire travailler sous différentes façons. Ça va nous apporter une autre forme d'endurance. Et à l'entraînement, on va avoir une autre capacité d'encaissement. Sur l'entraînement, on va être beaucoup plus endurant. Et au final, du coup, être plus fort sur les entraînements. Après, tout dépend du contexte, tout dépend de la personne, du travail qu'a fait, de la dépense quotidienne. Du coup, ça revient un petit peu au point juste précédent qui était de traquer tout ce qu'on peut traquer. Cinquième point, être prêt. Et tout aussi près qu'une sèche. Souvent une sèche, on le sait que c'est beaucoup plus dur. Bon, selon les personnes, c'est beaucoup plus dur. Mais mentalement, on se prépare toujours pour une sèche. À l'inverse, une prise de masse, on a l'impression que c'est plus quotidien, c'est normal, c'est tout aussi impactant. En fait, il faut réussir à se conditionner. Et de là, du coup, on vient au prochain point. Être focus sur son objectif, faire confiance au processus, être patient dans sa prise de muscle. Le prendre du muscle, c'est long. Si vous êtes débutant, je suis d'accord, ça peut aller très vite. Si vous mettez toutes les choses en termes d'optimisation, ça peut aller très vite. Et ce n'est pas du tout une course au poids. Et donc ça, ouais, ça serait du coup l'erreur à ne pas faire, traquer que son poids et prendre du poids à foison le plus vite possible. Je pense que c'est l'erreur la plus commune et c'est l'erreur qui peut aussi décourager parce qu'on prend beaucoup de gras, pas beaucoup de muscles et au final quand on sécherait, ça rend pas forcément ce qu'on veut puisqu'on a au final pris beaucoup de gras, pas beaucoup de muscles. Donc voilà, vraiment la chose à ne pas faire, c'est vraiment essayer de ne pas prendre du poids le plus vite possible. C'est bien, c'est un indicateur, mais ce n'est pas le seul. Il faut essayer d'être focus un maximum, être patient, être en adéquation du coup avec ce qu'on veut, être prêt aussi mentalement à se dire que on va prendre du poids, on va du coup rendre un peu moins bien sur les photos, sur les vidéos. C'est à prendre en compte, c'est à mettre dans l'équation pour justement être prêt. Et le petit bonus, se faire encadrer par quelqu'un. Une compétition, souvent les personnes se font encadrer lors d'une sèche, enlever ce brouhaha mental et du coup avoir un point de vue extérieur. Moi je pense que du coup même pour une prise de muscle, super important de se faire encadrer et avoir du coup une personne extérieure qui est toujours là pour dire de quoi faire. Déjà que ça soit pour enlever cette charge mentale, éviter de tout le temps se poser des questions. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Soi-même, on n'est jamais objectif avec soi-même. Toujours en train de se poser des questions, se remettre en question les choses qu'on fait. Donc si on délaisse ça à quelqu'un, personne compétente bien sûr, je pense que c'est la meilleure chose pour réussir à prendre du muscle. Voilà les gars, j'espère avoir fait le tour. Voilà, vous ne pourriez plus dire après avoir vu cette vidéo, j'ai pris du gras, j'ai pris du poids trop vite. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum de choses, un maximum d'informations, de renseignements. Et les gars, je vous dis à la prochaine vidéo, prochaine semaine. Allez, peace.